Perplexe, perplexe, je suis perplexe. Comment démarrer ce stream? Salut à toi, il est 19h. Oui, c'est ton nouveau The Big Game Oski. Aujourd'hui, on retourne dans l'encyclopédie des shmups. Et je me frotte la tête puisque je ne sais pas comment introduire ce titre. Alors, déjà, il a une prononciation absolument immonde. Vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule et de mon japonais puisque Bakutotsu Kijutai est probablement un des shmups les moins simples à prononcer. Mais de surcroît, ce bonheur ne vient pas seul, puisque ce jeu, c'est absolument n'importe quoi. Et je vous garantis qu'en réfléchissant à comment faire l'intro de ce stream, j'étais à deux doigts de vous recommander de vous droguer, quoi, parce que vous allez m'entendre répéter, je pense assez souvent, je n'ai aucune idée de ce que je fais là, dans ce stream. Oui, je n'ai aucune idée de ce que je fais là. I absolutely don't know what I'm doing here, my friend. Je vous le dis en vérité. Mais vous, vous voyez de vous-même ce qui va se passer avec l'animal en question. Donc je vais redire une dernière fois son nom, mais je ne le dirai plus jamais. Ce Bakutotsu Kijutai de 1988. On va l'appeler Baku, hein. Baku Baku. Alors regardez-moi ça si c'est beau, la diversité de la trame, la finesse du grain. Comment ça? Je commence en étant cynique. Bah, je vois un mec qui passe avec un vaisseau spatial à pédale et je n'ai aucune idée de ce que je fais ici. Et il y a un petit mimu qui me dit je suis ton copain. Et je n'ai toujours pas plus d'idée de ce que je fais ici. Est-ce qu'il reste des... Bah, mettez-moi de l'autre côté. Oui, mais sur la langue. Voilà. Alors, je dois avouer, ça c'est pas un secret, hein, parce que j'ai lancé le jeu pour voir la tête qu'il avait. Et je dois vous avouer que c'est la première fois que je vois la démo d'un jeu, puisqu'on est en game over là, donc c'est bien la démo du jeu, qui ne fait absolument rien. Et on lui dit de se manier. Et donc la démo est prompte à réagir de son instinct de démo, quoi. Et elle ne fait donc absolument rien. Et je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais ici. Je peux pas partir. Vraiment. Allez. Mais regardez, il se passe rien. Il s'est fait tuer parce que s'il est trop long, il y a un truc qui arrive et ça le démonte à tous les coups. Ouah, mais il est nul, démo. Démo, tu es nul. Bouh! Regarde-moi comme je suis meilleur que toi en comparé. Comment ça, je suis pressé d'aller dans ce titre? Je suis surtout pressé de m'en débarrasser, je crois. Parce que c'est un shmup, parce qu'il est horizontal et qu'on tire sur des trucs avec un petit vaisseau. Mais croyez-moi, je ne voulais pas. C'est uniquement pour la diversité du stream et votre culture que je me force à mettre le pad là-dedans, parce que franchement, il y a des trucs qui miaulent, il y a des trucs qui font miou, il y a des yeux qui explosent et qui lâchent des trucs, et moi je ramasse des bidules et je suis super content, ça se passe super bien, je ne perds pas. Et je rentre à pied chez moi, en ayant préalablement pété la porte d'entrée. Peut-être qu'à force, ça va coûter un peu cher en porte d'entrée. Donc là, on a grand-père Mimu qui nous raconte qu'il est content qu'on ait réussi à sauver des frangins Mimu, mais qu'il en faudrait plus. Alors, non, je ne nique pas le japonais, mais voilà, je m'adapte et je comprends assez rapidement. Surtout quand c'est évident. Est-ce que je suis concentré? Non, en fait, je suis ébahi devant les graphismes et la cohérence de tout ça, et je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais ici. On a fait les 5 minutes. Les 5 minutes, on les a faites. Je veux savoir. Allez. Et je pète la porte d'entrée et je rentre carrément avec mon véhicule dans ma maison, tu vois. Alors, il faudrait que quelqu'un me traduise le semblant de scénario que semble nous conter grand-père Mimu. Parce que pour moi, pour l'instant, ça n'a ni queue ni tête ce truc. Mais bon, j'y vais parce que je me dis que finalement, le LSD va pas tarder à faire effet. Et il y a moyen, quoi. Il y a vraiment moyen. Non mais les gars, quand vous faites ça, vous pensez à quoi? Dites-moi pas qu'il y a une réflexion derrière, une cohérence, une je sais pas. Ah, plus chaud. Ah oui, moi quand on me fait peur, je dégaine ma grosse insulte motivante. Plus chaud. Ben oui, je.
Ça s'appelle le manque d'inspiration parfois. Ouais, du bon, voilà. Je peux pas les caresser avec mon bouclier. Pff, je me suis fait ken, mais je me suis fait ken, je vous raconte pas. Et je pète la porte d'entrée. Et j'y suis même pas, mes godasses pleines de terre. Et je me pose sur le canapé avec les pieds sur la table basse, tiens. Et j'ai absolument aucune idée de ce que je fais ici, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes canons rotatifs. Ils ont décidé de se déclencher comme ça et je trouve que c'est une fort chouette idée qu'ils ont eue, quoi. Maintenant, je suis ici. Et niveau idée, j'en ai pas beaucoup. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, bah, si quelqu'un pouvait m'indiquer par où je sors. Et je meurs pas souvent, c'est ça qui est tuant, quoi. À moi le bonux, comme ça je ramène à la maison et mes mères seront contentes. Elle fera oh, t'as ramené encore des mimus, c'est trop la fête. Non, je ne pète pas un câble, mais. Merde, j'ai perdu mon super vélo laser. Je m'en fous, je vais péter la porte et rentrer à la maison. Et qu'est-ce que je fous là? 6 minutes. Oui, c'était ça les mouvements en régie. Je voudrais. Ah mais c'est au hasard, c'est random. C'est exactement ce que je voulais, tu lis dans ma tête, trop bien. Là, je sais ce que je fais. Et pourquoi j'y suis? Enfin... Alors Baku, est-ce que tu es dans les sélectionnés? Bah, tout dépend de ce qu'on a pris avant. Je persiste à dire, hein, parce que... Il est bien farci votre jeu, les gars, quand même. Les mômes, bah, c'est trop le bordel pour que ce soit joué pour eux. Et là, je le dis honnêtement, hein. Et putain, un boss. Et pour les adultes, bah c'est la choupitude est un peu agressive, quoi. Mais je pète la porte et je rentre chez moi. Ça, c'est intéressant comme démarche. J'aime beaucoup. Donc voilà, le jeu est un peu bâtard. Break time. Yeah. Break it down. Ça y est, tu t'es assez extasié devant le mimu. Ah, je me fais engueuler. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il fallait que j'en ramène 5. Ok, boss. C'est toi le boss. Il me faut mon vaisselle. Oh, mais regardez-moi ce cerveau en... Oh, je passe là. Alors, il y a une micro-gravité qui fait que... Voilà, d'accord. Parce que ça, j'avais pas eu le temps de l'illustrer, parce que depuis le début du jeu, moi, je suis occupé à halluciner dessus. Hein. Et sans rien prendre, c'est ça qui est magique. Ah si, de la caféine, comme tout le monde. Ah, les noirs, faut pas les prendre. C'est pas très gentil, d'ailleurs, mais bon, on va pas développer, c'est mieux. Je veux ben le même mais en plus hein. Ah. Go. Quand tu veux. D'accord. Eh ben on va rester là. Hein. Je me suis fait têche. Non mais c'est bon, je sais partir de manière tout à fait honorable. Baku, je prononce pas une dernière fois ton nom, c'est Baku, il y a un truc après, c'est écrit dans le titre. Donc me torturez pas, c'est pas la peine, ça ne marche pas votre système. Tu n'es pas sélectionné. C'est une grande découverte d'ailleurs. Tu n'iras jamais dans les top jeux. Et tu vas rejoindre la malle au grenier où on enterre les antiquités, parce que toi, oui, pour les soirées remake psyché 70s, tu es juste parfait, mais c'est vraiment le seul cadre dans lequel on peut te déballer, quoi. Le reste de l'année. Toutes les autres soirées, faut même pas y penser. Je vous laisse avec les deux playlists usuelles, et puis le bouton d'abonnement, et puis je vous dis à demain à 19h, et j'espère que j'aurai une idée de ce que je fous là à ce moment-là. Ciao.